Auxerre Le Mans, un match entre deux équipes qui se sont inclinées lors de leur premier match. Auxerre avait perdu à Rodez 2-0 alors que Le Mans s'était incliné 2-1 à domicile contre Lens. Les Manceaux qui sont les premiers en action, le promu veut frapper fort et montrer qu'il est capable d'obtenir de très bons résultats tout de suite. Une double chance, mais belle intervention de Mathieu Michel. La réponse auxerroise avec ce tir enroulé, mais c'est directement dans les gants de Johan Thuram. Jean-Marc Furlan, le nouvel entraîneur d'Auxerre, attend plus de son équipe. Ça ne fait que 0-0 à la mi-temps. Auxerre qui joue encore une fois contre un promu. La défaite initiale contre Rodez n'était pas rassurante. Et cette fois-ci, il faudrait vaincre contre Le Mans, mais ce n'est pas simple. Nouvelle action avec Mohamed Diatara, l'international guinéen, ne trouve pas le cadre. Les Bourguignons sont quand même mieux dans cette seconde période. Et à force d'insister, sont de plus en plus dangereux. Le ballon traîne, sauvetage in extremis de Johan Thuram. Nouvelle chance avec ce tir contré. Les joueurs locaux continuent à insister, mais on s'approche du dernier quart d'heure. Un ballon au-dessus de la défense. Oubli de la défense Mancel, alors qu'il restait un quart d'heure à tenir pour obtenir le point du nul. Yanis Merji termine cette action. Impeccable finition pour Merji, qui marque son premier but de la saison. Le premier but pour son club. Il avait inscrit 3 buts en 15 matchs la saison dernière. Ça n'a pas toujours été simple, mais ça va bien mieux dans ce début de saison car il réussit même le doublé à la 82e minute. Et quel joli but. Collectivement, c'est bien construit. Peut-être la patte Jean-Marc Furlan se fait-elle déjà sentir. Et Merji qui peut conclure. Magnifique fin de partie pour lui et pour la JOCR. Le Mans n'a pas réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Victoire d'Auxerre, la première de la saison, 2-0 contre Le Mans.